Salut à tous, alors pas de blabla, vous voyez les transats derrière, donc je vais vous montrer comment il faut faire pour à peu près 20 euros, on va faire un petit transat comme ça. Alors, ces transats qui font à peu près 2 mètres sur 60, il faut pas être trop gros non plus, là. Faut pas manger trop de couscous, mais bon ça suffit largement, hein. Voilà. Alors j'ai fait les accoudoirs en dernier. C'est pour ça que sur le poste on les voit pas au début, mais bon là maintenant ils y sont. Donc c'est un transat qui a deux, enfin deux ou trois positions, ça dépend comment on le voit. Une position comme ça, une position un peu plus allongée ici et une position complètement couchée. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Moi j'ai pris des lames de terrasse de chez Leroy Merlin. C'est ça. Voilà, la lame elle fait 2 euros, il vous faut 4 lames pour un transat. Donc pour 2 euros la lame, j'avais pas envie de démonter les palettes en plus, mais vraiment pas envie. En plus, je préfère les garder parce que je vais faire un clapier. Donc, il faut que je les garde entières. Donc, je vais pas me gâcher une palette Europe. J'achète la lame à 2 euros. Je la coupe en. Elle fait 2,40 m. Donc, avec une lame, on fait 4 longueurs de 60. Et ainsi de suite. Et pour les côtés, j'ai de la planche de coffrage. Donc, il vous faut une planche de 5 mètres. Enfin, ou une planche de 4 mètres. Mais il vous faudra encore. 2 fois 55 cm, donc c'est cela, c'est pour faire les façades là qui sont là et l'autre côté. Donc en gros, la planche elle fait à peu près 8 euros et les lames vous en avez pour 8 ou 10 euros, je sais plus trop, plus quelques vis. En gros, voilà, à 20 euros vous avez le transat parce que par exemple, moi il m'en faut 5, donc si je dois les acheter, ça vaut 200 euros, ça fait tout de suite 1000 euros. Et je parle de transat en pain, je parle pas de transat en teck ou en bois exotique de je sais pas quoi, là, de Katmandou, machin. Alors là, c'est même pas la peine, c'est encore pire. En plus, c'est pas bon pour la forêt. Et en plus, si vous l'achetez sur Amazon, alors là, vous êtes méchant. Méchanceté. On va arrêter les blablas, je vais filmer, je vais vous montrer comment il faut faire. Bon là, je m'arrête 2 secondes parce que on arrive à un moment clé. Donc il y a 16 lames pour le transat, d'accord? Là j'en ai mis 10 pour faire l'assise. Donc il m'en reste 6 pour faire le dossier. Et là maintenant je vais faire le dossier. Moi, je fais comme ça, je vais mettre un. Voilà, je vais mettre deux tasseaux. Bon après si vous avez autre chose qu'un tasseau, ouais, c'est pareil. Moi j'ai des tasseaux parce que je les ai. Vous n'êtes pas obligé de mettre des tasseaux, hein. Vous pouvez avoir un peu d'imagination et mettre ce que vous voulez, ok. Et je vais mettre des, je vais lui visser donc des lattes comme ça dessus, voilà, et ainsi de suite, hop, voilà. Et je vais visser les 6 qui restent pour faire le dossier, ok.
Une fois que le dos il est fait, je mets une charnière ici et une planche pour faire office de barre de soutien ou enfin bref, je sais pas quoi. Au fond, je mets une planche comme ça que j'ai vissée par en dessous. Ça sert de position, hop, numéro 1 ici. Voilà, ça s'appuie. Vous appuyez là. Lui, il va appuyer ici. Ensuite, vous pouvez rajouter une planche. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, faites comme vous voulez. Hop, ici, pour faire une position un peu plus assis, on va dire. Là, j'ai mis les accoudoirs. Les accoudoirs, ça sert, bien sûr, à mettre ses coudes, ses avant-bras. Mais ça sert aussi, surtout, à maintenir ici. Vous voyez, pour pas que le transat, il s'en aille. Parce qu'en fait, il n'y a pas de charnière, il n'y a rien. Il tient, voilà, parce que j'ai fait des encoches dedans. Hop. Oui, j'ai fait des encoches de chaque côté. Là, une encoche comme ça, et là, hop, une encoche comme ça. Ça fait que quand vous êtes allongé, bon, ça se, voilà, ça se voit pas, vous êtes comme ça. Mais quand vous vous relevez, oui, quand vous vous relevez, il tombe dans l'encoche. Oui. Et là, hop, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et voilà, vous avez votre petit transat. Donc les accoudoirs, faut pas oublier de. Bon là il n'est pas fini, il n'est pas poncé. N'oubliez pas de poncer là les angles ici. On va aller voir sur les autres. Voilà. Donc vous mettez un coup ici. Sinon vous avez griffé vos petites jambes. Ici pareil. Un petit coup ici. Un petit coup de ponçage sur les trucs pour que ce soit propre. En tout cas les planches là-bas, elles sont toutes grisées, enfin elles sont pas belles, mais vous le ferez à la fin. Et puis voilà, enfin si vous voulez. Voilà, vidéo de petit transat. Ouais, ça fait 4. Hop, plus qu'un, je suis tranquille. Voilà, hein. Donc, ben voilà les gars. Hein. Petite vidéo de transat. L'été approche. Et si vous êtes comme moi, vous aimez bien rester chez vous, sur votre transat, parce que vous avez envie de voir personne, ben vous n'avez qu'à le faire. Et voilà. Et c'est réglé. Donc je vous dis à plus, à bientôt et merci pour tous ceux qui partagent les vidéos. Et puis voilà.